voudrais me focaliser sur le verset « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. C'est le temps, pendant 2000 ans, traditionnellement, bon, pas traditionnellement, c'est la date historiquement que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Mais la mort et la résurrection de Jésus nous parlent de quoi? La mort et la résurrection de Jésus nous parlent du don du Fils de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le don du Fils, eh bien, c'est non seulement le fait que Jésus-Christ est venu sur terre vivre parmi les hommes, n'est-ce pas? Mais l'ultime expression de ce don, c'était la mort de Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Donc, je voudrais juste prendre le temps pour parler de la générosité de Dieu. Un Dieu qui est si généreux, donc qu'il a admis à donner son Fils unique. Donc, ça nous parle de la nature de la générosité de Dieu. Donc on en parlera. Parlons-en rapidement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu généreux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu généreux. Dans le livre des psaumes, particulièrement dans le psaume 45, le verset 9, dans le psaume 45, le verset 9, dans la version Nouvelle Jérusalem, la Bible dit « Yahweh est généreux envers tous et sa tendresse embrasse toutes ses créatures. » Yahweh est généreux, ou bien Yahvé est généreux envers tous, ou bien Dieu est généreux envers tous. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extrêmement généreux, n'est-ce pas? Un Dieu qui est généreux, non seulement, tout d'abord, qui est généreux avec les hommes. Donc, vous pouvez imaginer, Adam est créé dans une atmosphère de générosité. Donc, remarquez que Adam n'a pas été créé en premier. Adam a été créé en dernier. Pourquoi? Parce que Dieu voulait s'assurer qu'à la venue d'Adam, à la création d'Adam, qu'il disposait de tout ce dont il avait besoin, non seulement pour vivre dans la richesse, je dirais tout carrément. Pour vivre de la richesse, pour vivre de l'abondance. Donc Dieu a pris le temps de créer les oiseaux, les arbres, les animaux. Et Dieu est allé même à créer de l'or, du diamant, chrysolite, etc., etc. Eh bien, tout cela était disponible avant la création d'Adam. Donc cela veut dire que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui sert avec parcimonie, ce n'est pas un Dieu mesquin, mais c'est un Dieu généreux. Donc on voit sa générosité manifestée dans la création, il est généreux. On voit sa générosité manifestée non seulement dans la création de l'homme, mais on voit également sa générosité se manifester dans la rédemption de l'homme également, n'est-ce pas? Nous venons de lire le texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À travers Jésus-Christ, Dieu pouvait envoyer peut-être un ange mourir à notre place. Il aurait pu envoyer peut-être, je ne sais pas, Michael ou bien Gabriel ou bien, je ne sais pas, un séraphin. Mais il a choisi de donner son Fils unique. Il est généreux, donc sur le plan du salut. Il nous a donné celui qu'il y avait de meilleur au ciel, à la plus haute place au ciel après lui-même en réalité. Donc il est, je dirais même, encore mieux que lui-même. Parce que... si je devais choisir entre la vie de mes fils et ma vie, je choisirais la vie de mes fils au lieu de celle, au lieu de la mienne. Donc Dieu, lui, il a donné son Fils. Donc c'est extraordinaire. Il est généreux dans l'œuvre du salut. Et la manifestation de ce salut est également généreuse. La satisfaction qu'apporte ce salut, n'est-ce pas, est également généreuse. Quand Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine, il lui a dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui
boira de l'eau que je lui donnerai, il a dit, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Et c'est intéressant, le Seigneur n'a pas dit, le salut que je lui donnerai deviendra une tasse d'eau vive. Hein? Le salut que je lui donnerai, deviendra une piscine d'eau vive. Hein? Mais le salut que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. En d'autres termes, il n'y arrivera jamais un moment où, waouh, j'ai accepté Jésus, mais aujourd'hui, Jésus n'arrive pas à satisfaire à mes besoins. Aujourd'hui, l'évangile ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça marchait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais la source a tari. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de satisfaction. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de provision. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de compassion. Au contraire, ces compassions se renouvellent chaque matin. Parce que tout ce que Dieu donne, il donne avec générosité. Est-ce que ça va? Le salut, le Seigneur nous la donne, n'est-ce pas, avec générosité. Et la générosité de Dieu s'étend non seulement à l'homme, mais également à la création tout entière. La générosité de Dieu s'étend non seulement à l'homme, mais à la création tout entière. Donc c'est pourquoi la Bible dit, Yahvé est généreux envers tous et sa tendresse embrasse toutes ses créatures. Dieu n'est pas seulement généreux envers les hommes, mais il est également généreux envers la nature, envers les oiseaux. Remarquez ce que Jésus-Christ va nous dire dans Matthieu chapitre 6. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, mais votre Père les nourrit. Donc c'est extraordinaire. Donc les oiseaux du ciel, c'est intéressant, je crois que c'est généralement durant l'hiver, n'est-ce pas, au mois de janvier, vous voyez des oiseaux qui viennent de partout, qui viennent du Canada, hein, qui viennent très loin du Canada et qui viennent ici en Floride. Et ces oiseaux, ils voyagent du Canada par milliers, peut-être par millions, pour venir à Miami, mais ils ne s'inquiètent même pas. Qu'est-ce qu'ils auront à manger? Qu'est-ce qu'ils auront à boire? Parce qu'il y a un Dieu généreux, alléluia, qui prend soin des oiseaux. Jésus va un peu plus loin. Le Seigneur non seulement prend soin des oiseaux, mais il prend soin aussi des fleurs. Des fleurs, Jésus va dire, n'est-ce pas, dans le même passage. Considérez les lilas des champs. Ils poussent, ils ne travaillent ni ne filent. Pourquoi? Pourtant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Or, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus, ou vous qui avez peu de foi? Donc, il prend soin des oiseaux, il prend aussi des fleurs, il prend aussi des herbes, les lits des champs. Donc, parce que c'est un Dieu généreux. Et c'est réconfortant pour nous. Évidemment, Jésus va dire, eh bien, si le Seigneur prend soin des oiseaux, s'il est généreux envers les oiseaux, s'il est généreux envers les lits des champs qui passent le matin, n'est-ce pas, certainement, il continuera à être généreux envers vous. Il est généreux parce que c'est sa nature d'être généreux. Alléluia! Il est généreux parce que c'est sa nature d'être généreux. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu généreux. Dans sa nature, il est généreux. Il ne peut s'empêcher d'être généreux parce que c'est sa nature. Et puisque le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu généreux, et aujourd'hui, nous célébrons cette générosité en ce dimanche de la résurrection. Donc, nous remémorons, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, manifestation de sa générosité. Mais nous autres aussi, en tant que fils de Dieu, la Bible dit, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Eh bien, ressembler à Dieu, l'une des caractéristiques de l'image de Dieu en nous, de la ressemblance de Dieu en nous, c'est également la générosité. Dieu nous appelle aussi à être généreux
de la même manière que lui est généreux. Mais comment ça? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en réalité en termes de générosité? Mais tout d'abord, ce que Dieu attend de nous en termes de générosité, c'est de nous donner à Dieu personnellement, de nous donner à Dieu. En ce moment, en ce dimanche de Pâques, eh bien, Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Il a donné sa vie à la croix, n'est-ce pas? Et votre réponse, c'est de donner votre propre vie, d'être comme il a été généreux envers vous, un Dieu qui est généreux envers vous, mais vous êtes appelés en retour à être généreux envers lui. Donc, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3 à 5, n'est-ce pas? Verset 3 à 5. Maintenant, ce n'est pas un échange proportionnel, hein? Ce n'est pas un échange proportionnel. La vie d'un homme ne vaut pas la vie de Dieu. Il ne faut pas le voir comme un échange proportionnel. Mais quand même, Dieu, ce n'est pas un échange, mais c'est surtout un acte d'action de grâce. Puisque Dieu a été généreux envers moi, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est que... C'est normal et c'est naturel que, en retour, je dois lui donner de mon meilleur. C'est comme un enfant, par exemple, je ne sais pas, disons qu'un enfant, vous avez payé ses études universitaires, je ne sais plus, université prestigieuse, donc ça vous a coûté, je ne sais plus, 100 000 $, 150 000 $ pour les 4 ans d'études, je ne sais plus. Et après... après avoir fini de recevoir ses diplômes, et puis l'enfant, ton fils va quelque part et il va t'acheter un beau stylo, je ne sais pas, pour 25 $, 50 $, et dit: papa, je te dis merci, eh bien, pour les 4 ans d'université que tu as payé pour moi. Est-ce que ça va? Mais un stylo de 25 000 $, n'est-ce pas, ce n'est pas un échange pour les 150 000 $ que vous avez payé pour les études. Mais quand même, mais ça va vous toucher, n'est-ce pas? Parce que ce qui est important, ce n'est pas le stylo que l'enfant donne, c'est le geste de gratitude. Est-ce que vous avez? Donc, vous et moi, quand nous offrons notre vie à Dieu, nous ne pourrons jamais payer le sacrifice du calvaire. Mais c'est une façon de te dire: Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous aurons dû passer notre éternité en enfer pour le poids de nos péchés, pour ce que nous avons fait de mal à tes yeux, en action, en parole, pour la façon dont nous avons violé ta justice. Nous méritons une éternité en enfer, mais tu es venu mourir à notre place. Et tout ce que nous offrons, notre personne, notre temps, nos offrandes, notre famille, tous nos talents, notre connaissance, tout ce que nous mettons à ta disposition, c'est pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, Dieu nous a sauvés, n'est-ce pas? Et en retour, il nous invite à être reconnaissants. Donc, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 3 à 5, dit: « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, au-dessus de leurs moyens, c'est avec beaucoup d'insistance. » Et il dit: ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Ça, c'est important. Donc, le Seigneur nous invite ce matin, en ce dimanche de Pâques, la grande leçon, c'est que Dieu est généreux envers vous. Dieu est prêt à donner ce qu'il y a de meilleur pour vous. Dieu a admis à donner son propre Fils, le cadeau du ciel, le trésor du ciel, Jésus-Christ. Dieu a consenti à donner son seul Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à votre place. Et la question maintenant: il vous a donné de son meilleur. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à donner de votre meilleur? Ce n'est pas une échange mutuelle, mais en même temps, c'est un geste de gratitude. Donc, l'appel ce matin, c'est de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, c'est de reconsacrer votre vie à Jésus.
comment est-ce que je puis donner encore mieux de moi-même au Seigneur, encore plus de moi-même au Seigneur. Je peux me consacrer encore plus. Je peux me donner encore plus. Je peux faire un peu plus de sacrifice avec mon temps pour servir Dieu. Je peux faire plus, un peu plus de sacrifice avec mes expériences pour servir Dieu. Je peux faire plus de sacrifices pour être obéissant à la voix de Dieu dans ma vie familiale. Comment est-ce que je peux me donner encore plus au Seigneur?